Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo courrier. Désolée, je suis malade, j'ai une sale tête, j'ai tout ce que vous voulez bien, mais bon, je voulais vous faire quand même cette vidéo courrier. Donc là, nous sommes samedi après-midi. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu l'heure du salon, puisque à version scrap, on m'a offert deux petites ATC et Chris Scrap Créa m'a offert aussi sa participation pour le concours, donc la toute première, et j'ai reçu aussi deux autres petites bricoles. Donc on commence par les petites ATC. Donc j'en ai reçu une de Belgium Créa Nat, donc c'est version scrap 2019 et c'est la 6/12. Hop là, voilà, donc je te remercie. Ensuite, j'en ai reçu une autre ici qui me vient de Bonheur Partagé Scrap, donc de Mélanie. Donc le titre c'est Souvenir VS, elle a été faite le 12/04 et c'est la 11/12. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Hop là. Et avec, il y avait ceci. Donc, le tout dans une petite enveloppe. Voilà. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Donc, Mélanie, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne. Elle a une chaîne YouTube. J'essaierai de penser à vous mettre le lien en dessous. Donc, hop là. Donc, ça, c'était pour le salon. Ensuite... avec Chris Scrap, on avait prévu de se faire un échange de moulage. Du coup, hop là, voici ce qu'elle m'a envoyé. Enfin, qu'elle m'a donné en main propre. Désolée pour le bruit. Vous me connaissez, moi j'adore les moulages. Donc, il y en avait deux comme ceci. Des nœuds comme ça, je trouve très chouette. Donc un grand, un petit, un comme ça. Un autre là. Je vais pouvoir faire des petites choses superbes. Donc voilà pour les petits moulages qu'elle m'a hop là, offert. Et aussi il y avait du coup donc sa participation pour le concours. Donc elle est la première à participer. Donc voilà, c'est une. Ça se présente dans une petite loaded enveloppe. Donc je vous rappelle que c'est Chris Créa Scrap. Donc, à l'intérieur, il y avait ceci. Donc, très joli, elle a utilisé du glossy, j'adore. Donc, ça s'ouvre. Il y a une petite memory dex. Donc, il va aller rejoindre les autres. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc, voilà. Avec des petits rouages et tout. Donc elle m'a mis ses coordonnées derrière et ce qu'elle aimait. Ainsi que sa date de naissance. Du coup je vais pouvoir aller la ranger dans la boîte Memory Dex spéciale adresse. Et ici elle m'a mis deux petits tamponnages. Et je les trouve super jolis. Ici. Et ensuite à l'intérieur elle m'a fait un petit carnet vintage, plus shabby peut-être même.
Donc, hop là. Donc, très joli, j'aime beaucoup. Donc, merci Chris. Donc, du coup, tu es la première à participer. Donc, je vais commencer à faire mon petit carnet avec vos numéros de participation. Donc, hop là. Ça. Ensuite, quand je suis rentrée du salon, j'avais une petite enveloppe. Les courriers ont été très peu cette semaine, mais bon. Celle-ci, elle me vient de Nan. Donc, Nan de Paris, vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, elle ne fait pas de vidéos, mais elle participe beaucoup à beaucoup de vidéos. Donc, une petite enveloppe. Donc, je la trouve super chouette. Elle est... je ne saurais vous dire la matière, ça fait... C'est pas du papier, je sais pas. On aurait pu croire du cuir. Je sais pas du tout la matière qu'elle a utilisée, mais alors... j'adore. Avec dedans... Donc, elle a posté cette photo sur le groupe de Horizon Créatif et j'ai trouvé la découpe juste splendide. Donc, je lui ai envoyé un petit message pour savoir où elle l'avait acheté et elle m'a dit qu'on lui avait offert et du coup, elle m'a proposé de m'envoyer quelques petites découpes. Donc, du coup, on s'est mis d'accord pour un échange. Et je suis d'ailleurs à la bourre, il faut que je me rattrape. Du coup, elle m'a envoyé plusieurs découpes et aussi des découpes de Memory Dex. Donc moi, je dois lui envoyer des mots français et des Memory Dex. Je vais lui envoyer autre chose, bien évidemment. Mais alors, je ne m'attendais pas du tout à recevoir directement la Memory Dex. Donc, elle est juste superbe. Et petit clin d'œil à Elodie, regarde, elle s'est servie de la Crocodile. Et ensuite, suite au live de, je crois que c'était Clary. Oui, c'est sur le live de Clary qu'on a parpoté. Et dans ma fatigue, j'avais cru qu'elle faisait un fond en rouage. On m'a accusé de voir des rouages partout. Hein. Moi, jamais. Et du coup, elle m'a proposé de m'envoyer des rouages en plastique. Donc, hop là, donc voilà. Plein de petits rouages en plastique. Donc je vais bientôt tester ça dans une créa. Voir ce que ça donne. Et si jamais ça fonctionne bien, que c'est nickel, elle s'est proposée de m'en envoyer d'autres. Donc merci, merci beaucoup Nan. Je vais tester, je te dirai ça. De toute façon, je te renverrai un petit message pour te dire quand part ton courrier. Je m'en occupe cette semaine. Là, je viens de finir le carton pour la boîte aux lettres des 250 abonnés donc, qui allaient à Ariel. Donc, je viens juste de la fermer. Elle partira mardi. Vu que je suis malade, je ne sors pas, je ne vais pas à la poste. Donc, elle partira mardi. Je bois un petit coup de café, désolé. La gorge sèche. Donc à partir de mardi, j'ai un autre courrier qui partira aussi en même temps mardi. Donc je vais essayer de faire un maximum dans les courriers que je dois pour que tout parte mardi. On continue, il me reste deux courriers qui me viennent de Cheryl. Et oui, elle m'a envoyé deux courriers, j'ai été gâtée. Donc il y en a eu un qui était arrivé en début de semaine et un qui est arrivé ce matin. Donc... celles qui sont arrivées en début de semaine, il y a son ATC rond, donc sur le thème copine, donc c'est la 4 sur 5. Vous voyez, hop là. Mais il y a aussi une Memory Dex steampunk, j'adore, son fond est juste magnifique. Vous voyez. Elle a utilisé des encres et avec un petit esprit libre dessus. Franchement, j'adore. Donc, elle va aller rejoindre mon autre boîte avec celle de Nan.
Et enfin, dans mon courrier d'aujourd'hui, je suis désolée, il faut vite que cette vidéo se termine. Hop là. Donc, dans le petit courrier d'aujourd'hui, ce sont juste des petits die qu'elle m'a gentiment offert. Hop, je vais. Puisqu'elle ne s'en servait pas. Donc il y a cela. Donc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, vous avez la pochette ici. Voilà. Et les autres, elle m'a demandé si ça ne me dérange pas qu'elle enlève la boîte. Donc je lui ai dit non du tout. De toute façon, ils vont aller rejoindre mon rangement à die. Donc il y a celui-ci. Donc c'est marqué jour. Je crois que c'est jour heureux en famille. Ah, c'est mieux si en fait si je lis comme ça. Donc voilà. Ensuite il y a celui-ci. Hop. Dans le bon sens. Complicité toute. Ah, complicité à toute épreuve, pardon. Donc voilà. Ensuite celui-ci. Hop là. Photo. Photo tellement spéciale. Et profiter encore et encore. Donc voilà, je les trouve super génial, moi qui adore les mots français. Je te remercie beaucoup, 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 ma petite Cheryl. Je te renverrai un petit courrier, bien évidemment. Surtout, vu ce que tu as dit ce matin, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc, ce courrier tardera peut-être à venir, mais il viendra, il viendra. Sur ce, bah, c'est tout pour cette fameuse balle. Donc du coup ma première participation au concours des 500 abonnés est arrivée. J'en ai plusieurs autres qui devraient arriver, donc je ne sais pas trop quand. Il y en a une particulièrement que j'ai très très hâte de recevoir. Je vous en dirai plus quand je l'aurai entre mes mains. Sur ce, je pense que ça doit être tout. Donc en barre d'infos en haut, je vais vous remettre le lien pour le concours. Moi, bah, je vous dis, je vous fais de très très gros bisous. Donc, et là, je vais m'apprêter à tourner deux vidéos, dont le réveil Chabi pour le concours. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche, de très bonnes Pâques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.